Salut, allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On continue la découverte du pack qui vient de sortir Studio 397 sur Air Factor 2 et on va aller directement en jeu. Alors, vous voyez sur le cockpit directement parce qu'en fait, oui, je vais faire les vidéos sur écran parce que RF2 et la VR ça ne va plus du tout. Je sais pas pourquoi ça bug, ça crache quand je lance la course. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez le même souci. Donc, on se retrouve directement ici sur le jeu. Hop. Et on va voir qu'on va partir donc avec cette Ligier JSP 320, une LMP3, 4 litres 2, V8. On va aller directement voir au niveau modélisation ce que ça donne. Donc vous allez voir que c'est quand même du très très beau boulot. Voilà ici, on va enlever ça. Donc dans le nouveau showroom, voilà, on va pouvoir zoomer un peu. Voilà, avec les reflets, vous voyez, c'est vraiment du beau boulot. Elle est superbe. Je suis pas forcément fan de ce type de véhicule, mais vous allez voir en piste, c'est quand même assez impressionnant. Et puis en plus, sur l'écran, ça va changer un peu la donne puisque c'est beaucoup plus beau. Mais pour moi, c'est un peu plus difficile de me situer en fait sur la piste. Donc voilà, on va partir sur deux tours sur le circuit du Mans. Vous allez voir, c'est pas mal en début de journée. Je crois qu'il y a une vingtaine de concurrents. Forcément, sur un écran, c'est du 4K. Donc n'hésitez pas à le mettre sur le lecteur YouTube si vous avez la possibilité de le voir en 4K. Moi, je vous laisse voir cette course. Et puis, on se retrouve pour une prochaine. Allez, bon visionnage, bonne course. Tchuss! Start. 4-0-8. Wet. 4-0-7. Second.
Allez, on est parti donc sur écran, je vais vous expliquer pour la découverte de cette LMP3 Ligier sur le circuit du Mans. On est parti pour deux tours. Donc très très, voire même trop capricieuse, hein, pardon, la VR sur R2, je sais pas ce qui se passe. J'ai tout essayé. Est-ce que c'est un problème de ressources, d'optimisation, j'en sais rien, mais j'ai déjà galéré pour vous faire la précédente vidéo sur le circuit de Daytona. Mais là c'est plus possible, franchement. Alors on va essayer de se concentrer un petit peu pour vous présenter cette LMP3 qui, en toute honnêteté, n'est pas clairement le type de voiture que je préfère. C'est vrai qu'en 4K, ça envoie quand même du pâté. C'est vraiment très propre, alors que ça bouge énormément ici dans le volant. À l'aspect, je me fais un peu distancer. On se méfie parce qu'ici, dans les enchaînements, ils sont pas terribles. Ouais, donc la VR plante une fois sur une. J'exagère un peu, mais très honnêtement, c'est d'un compliqué. Je sais pas comment ça se fait. Assez tôt marche, AMS de marche, reste fond de marche. Et là, dès que je lance la course, même des fois de temps en temps avant, depuis la mise à jour, pas moyen. Ici, on va se méfier. Il est encore à droite. Seizième, on a du mal à se défaire un petit peu de cette meute. Lui s'en fout complètement. Encore pas mal de bugs. Et du coup, forcément, mon pilotage s'en ressent. Puisque ben, point de corde, proximité avec les véhicules, c'est pas du tout la même. Et encore une fois, j'en prends beaucoup moins de plaisir sur écran, mais bon, ça c'est une autre histoire, on n'est pas là pour parler de ça. Je pense que le reste du contenu sera de la même sorte, enregistré en écran. Faire à l'intérieur, essayer de se placer en tout cas. En tout cas, c'est de la voiture qui est très très saine, honnêtement. Tu peux taper dedans sans trop de difficultés. Je vais pas vous faire un cours de vous expliquer le rapport poids-puissance et tout ce qui va avec la réglementation de cette voiture, puisque de toute façon, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux l'essayer, le reste, je laisse ça aux spécialistes. Oh, ça tape ici. Malgré le fait que j'ai retiré pas mal d'appui. Pas trop de danger quand même. Passer la cinquième un peu tôt. Toujours 14e. Son, si c'est pas mal, je regrette toujours hein, sur un F2 le manque, l'absence même quasiment de son autre que les bruits moteurs, parce que très honnêtement, dans les stands c'est vide, il n'y a rien du tout. Là je peux me tromper, peut-être encore un réglage que j'ai pas fait, mais c'est vrai que c'est un gros manque quand même pour le rendu. On va essayer de se taper un top 10, mais après, c'est vrai que j'ai souvent pesté contre un F2 pour son aspect graphique un petit peu
daté, mais quand tu prends du contenu officiel et que là actuellement je suis en, alors que je me prends les plots, je suis en 4K. C'est vrai que ça envoie pas mal, hein. Très clairement. Je le regarde parce que forcément, d'en douter, je peux pas tourner la tête. Je vois pas un peu où je suis. C'est pas grave, on réussit quand même de se placer. Allez, ici, je suis à l'intérieur pour le prochain virage. Je sais pas où il est, je sais même pas s'il se décale. Ça va partir à la catastrophe, ça. Wow, j'étais monté sur les freins. Ou alors que lui revient n'importe comment. On va rester là pour l'empêcher de doubler. Du coup, je suis en aveugle total. Je sais pas où il est. Ah, je le vois. Il vient d'apparaître là dans le rétro. Il est derrière. Qu'est-ce qu'on va faire? Se planter. Non, il a été sage. Allez. P9. Un peu déroutant, hein, cette vue intérieure qui bouge quand même. Pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur le matin, le soleil qui se... le jour qui se lève. Je regarde en même temps le retour, hein, comme ça fait moins 2h30 que j'essaye de record quelque chose de potable. Allez, on va ici arriver ici à un gros freinage. C'était chaud. C'est passé. Ah, désolé, là c'est complètement de ma faute. Si ça se trouve, j'ai même plus d'élan. Non, j'ai retiré le sien. Oups. Ah, je sais pas la touche pour me voir justement les dégâts. Ah, je peux le voir ici. Voilà. Ouais, l'avant qui a pris un peu cher. Les gars, je sais pas comment vous faites pour jouer sur écran et pour vous situer. C'est en l'absence de radar, surtout sur ce type de véhicule. Ou alors là, on va être large. Je sais pas du tout comment vous faites. Bon, là en plus, mon spotter crew chief, il est trop bas. En tout cas, c'était une superbe course malgré. Petits accrochages. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce véhicule, de ce contenu. Pour 5€, franchement, ça fait le taf. C'est pas excessif, je trouve. Et puis on a quand même quelque chose de qualitatif. Donc voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas, si c'est pas fait, à vous abonner parce qu'il y aura encore d'autres contenus sur RF2 pour tester le pack complet, hein, qui vient de sortir. Et je vous dis à une prochaine. Bonne journée. Tchuss.